Defamation, part 2. A bad investment situation. Growing up in a garrison, when I met you, must have do a show in a square Madison. We did one thing of Paris too. You put some euro, some US and some pound on me wallet too. From a link on the hills and the ground and the radisson. Girl, the pick and choose from the marriage too. This is the life only change if you want it too. Even if you want to go a calito. Them search the mountains, fear about them should have checked the valley too. You and I come like a you, like a marito. Cassonian and my family and a rito. Can I see? Slavery days does not work in fear valley too. Push me, can go to me now, miss you. Coming like weed, make me the lead you. And smoking a everybody a bit too. But do not bring no coke, come a garrison. Do not bring no coke, come a garrison. He said, do not bring no coke, come a garrison. Sentence of the day. Kutamalal balal lalake. Dinu muju jafé nga lal nga tajati ci lo lalati bi nga mujjé lak ci daj ci lo worot won lamb. Par le pouvoir des tout puissants. Le Dieu unique qui enjoint les humains à asseoir les bases de leurs existences en toute vérité autour de la vérité. Seigneur, nous nous inclinons une fois de plus et vous demandons d'orienter correctement le flux de notre propos en toute vérité une fois de plus. Je rends hommage à mes vénérables ancêtres, aux bien-aimés et respectés anges, esprits, guides et maîtres au nom de la vérité qui nous unit. Très chers frères et sœurs, je vous salue en toute vérité. En espérant bien sûr que tout se passe comme vous le souhaitez. Laissez-moi vous conter une histoire, brève mais forte, intéressante. Il était une fois un talentueux jeune homme qui mit sur place une plateforme qui parla à bon nombre de gens autour de sujets importants abordés en toute sincérité et fraternité. La lumière, étant sujette à attirer aussi bien les bonnes que les mauvaises énergies, la jalousie et l'escroquerie s'invitèrent à l'assemblée sans y être invités. Cela commença par un couple de cupides et stupides individualités qui étudièrent le profil de la personne et le contenu de cet innovant et inspirant personnage diffusé. Après cela, ils créèrent de nombreux faux profils illégalement en son nom, en utilisant des infos volées de sa plateforme, pour approcher et proposer des services à diverses personnes, services monnayés de surcroît, en opposition au service initial de base proposé par le détenteur légitime du concept et des droits, qui, lui, s'activait bénévolement. À côté de cela, ils s'activèrent à l'attaquer mystiquement afin de bloquer l'intuition de ce dernier qu'ils savaient très intuitif. Ils en tirent, bon, le français, vous savez, hein, c'est une vaste mer. Ce qu'ils purent et crurent en tirer au moment où, par rapport à ce dernier, ils se trouvèrent dans différentes zones géographiques, ce qui ne plaidera pas au finish pour eux, comme nous le verrons si après. Ils ne s'en tinrent pas là, car la haine les poussa au-delà du mesurable, à inviter et véhiculer de fausses infos sur d'autres comptes pour salir la réputation de cette personne qui, au départ, n'en sut absolument rien. Au moment où elle découvrit ce qui se passa, elle fit mine de ne rien savoir et continua tranquillement ses activités avec ressenti de beaucoup de pitié à l'endroit de ces farfelus qui clairement ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils ne surent pas, c'est que le monde virtuel et informatique est caractérisé par une infaillible traçabilité. Nous sommes
à l'ère de la blockchain et à l'apogée de l'utilisation multiforme des algorithmes. Ainsi, ils furent perdus tout simplement par leur adresse IP et les résultats de la géolocalisation. De même que l'intéressé, même s'il ne pit pas mot, informa préalablement le public de l'existence de manipulations diverses faussement effectuées en son nom, pour bien sûr décliner toute responsabilité et alerter qui le droit. Malheureusement pour ces amateurs, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, et cela les perdit. Ils firent naturellement tous coffrer, car justice se fit comme attendu. La moralité de l'histoire, mes amis, est que l'honnêteté, le sérieux et les dispositions à travailler dur pour gagner sa vie sont des exigences qu'un peuple dans notre situation ne peut se faire raisonnablement l'économie. Je vous disais également que les époques avaient changé et que certains comportements n'étaient plus tolérés dans notre univers. Un homme averti en valant deux, je prends congé et vous reviens incessamment en espérant une fois de plus que cela aura été instructif pour plus d'un d'entre nous par le pouvoir du Tout-Puissant. Your main grow free spirit, the silent spiritual assassin, untouchable. Truthfully, truthful, truth representer, been there, done there, and ready for whatever. We don't play around here. And it's a grown man shit. So be aware before bring your ass to test the master. I'm out, guys. Peace.